Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 secrets qui peuvent vous aider à réussir dans les affaires, même si vous êtes introverti. Et à la fin, je vous dirai comment vous pourrez continuer ce voyage d'apprentissage avec moi. Mais juste avant de commencer, prenez déjà quelques secondes pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le premier secret est l'authenticité. Les gens doivent d'abord vous acheter avant d'acheter votre produit. Si vous êtes authentique et que vous expliquez clairement ce que vous offrez et comment cela peut profiter à vos clients, vous allez obtenir des clients. L'authenticité, c'est aussi se débarrasser des masques. N'essayez pas de projeter à l'extérieur ce que vous n'êtes pas. En d'autres termes, il s'agit d'être vrai. C'est là le premier secret. Le deuxième secret, c'est d'avoir une vision. Lorsque les gens adhèrent à votre vision, c'est beaucoup plus intéressant que d'essayer de parler de toutes les caractéristiques de votre produit. Si vous prenez l'exemple de Steve Jobs avec la façon dont Apple s'est développée aujourd'hui, tout cela émane d'une vision, une détermination à innover et à penser différemment. Cela leur permet d'attirer un public ou les bons clients dans leur entreprise. Et ils peuvent obtenir des clients beaucoup plus fidèles. Si vous êtes introverti, réfléchissez à votre vision globale. Avez-vous quelque chose qui va au-delà de votre produit? Parce que 99% des gens ne communiquent que de l'extérieur. Ils parlent de ce qu'ils font ou comment ils le font, mais peu sont ceux qui parlent de la raison pour laquelle ils le font. Par exemple, la raison pour laquelle j'enregistre cette vidéo est que je veux vous inspirer en tant qu'introverti à réussir dans votre entreprise. Et si vous réussissez dans votre entreprise, vous pourrez créer de nombreuses opportunités pour beaucoup d'autres personnes et aider les autres avec les talents et les compétences que vous avez. Et vous n'allez pas mettre ce talent en bouteille et le garder de côté juste parce que vous êtes étiqueté comme introverti. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'est la vision que je me suis fixée pour cette vidéo. Le troisième secret est d'attirer des clients qui vous ressemblent. Ce conseil est lié au précédent. Si vous avez la bonne vision, vous serez en mesure d'attirer le bon marché cible. Même si vous n'êtes pas sûr de savoir qui est votre marché cible, la meilleure chose à faire est de vous regarder dans le miroir. En d'autres termes, si vous n'êtes pas sûr de savoir qui est votre marché cible, regardez-vous dans le miroir et ciblez des personnes qui vous ressemblent. La quatrième idée que je souhaite partager est la suivante. Si vous voulez réussir dans les affaires en tant qu'introverti, vous devez développer des compétences. Et je suis presque sûr que vous avez déjà des compétences qui peuvent être utiles et bénéfiques pour votre public. En développant ces compétences, vous serez en mesure de créer de meilleurs produits et services, car en fin de compte, dans le monde des affaires, qu'essayons-nous de faire? Nous essayons de résoudre les problèmes des gens. Les affaires consistent à résoudre des problèmes, et pour résoudre un problème, il faut offrir un produit ou un service. Et pour être en mesure de fournir un produit ou un service efficace, il faut des compétences. Beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas. Ils pensent que tout tourne autour du produit. Mais le produit n'a rien à voir avec le marché, à moins qu'il ne résolve le problème que le marché recherche. Certaines des plus grandes entreprises du monde aujourd'hui résolvent de gros problèmes. Facebook et Instagram sont parmi les plus grandes entreprises aujourd'hui parce qu'elles résolvent un énorme problème de connexion entre les gens et qu'elles ont créé une sorte d'addiction à cause de cela. Amazon est l'une des plus grandes entreprises au monde aujourd'hui parce qu'elle résout le gros problème de l'ensemble du secteur de la vente au détail. Elle a bouleversé l'ensemble du secteur de la vente au détail. Vos compétences doivent donc déboucher sur un produit et ce produit doit résoudre un problème.
Alors maintenant, si vous voulez sortir de votre zone de confort et commencer à attirer de nombreux clients vers votre entreprise, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et à accéder à ma formation en marketing digital pour un suivi de qualité si vous ne la suivez pas encore. Je vous donnerai des notions approfondies en marketing digital pour que vous puissiez mieux gérer votre communication sur les réseaux sociaux et obtenir des clients. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.